À la prière de l'Angélus, la nature s'éveille. À cette heure matinale, les vaches reviennent des champs, car Petit Pierre, qui les reconduit, veut son bol de lait chaud. Le lait, c'est la première boisson, l'aliment naturel des petits des mammifères. L'homme s'est emparé très tôt de cette richesse provenant de ses troupeaux. Ses préférences allèrent à la vache, productrice d'un lait abondant, très semblable au lait humain. On dirait que le paisible animal, conscient de son rôle bienfaisant, est fier de fournir son sang blanc aux humains. Ce troupeau Holstein fait sûrement l'orgueil de son propriétaire. L'industrie de l'homme, en sélectionnant les sujets, a capricieusement varié la couleur de leur pelage en même temps qu'il intensifiait leur qualité productive. La belle émulation qui stimule les éleveurs a fait beaucoup pour l'amélioration des races. Mais il a fallu des années de travail intelligent et d'efforts constants pour obtenir ce troupeau d'Ayrshire, remarquable par sa production et sa conformation. La conformation, en effet, est un facteur important de productivité. Il en est de même de la Canadienne, race développée au pays par les éleveurs avisés. Par sa couleur et son lait, elle présente une certaine analogie avec la Jersey, originaire de l'île Jersey. La composition du lait varie quelque peu avec les races. Voici cependant l'analyse moyenne d'une pinte de lait. Eau, 87,17%. Matière grasse, 3,74%. Lactose ou sucre, 4,94%. Caséine, 2,87%. Albumine, 0,56%. Matière minérale, 0,72%. Le lait contient de plus des éléments essentiels à la vie, appelés vitamines. En unités internationales, une pinte de lait nous apporte vitamine A, 2000 à 3000 unités. Vitamine B1 ou F, 100 à 250 unités. Vitamine C, 100 à 300 unités. Vitamine D, 0 à 35 unités. Vitamine E, des traces. Vitamine G ou B2, 300 à 1000 BSU. Le fermier, soucieux de fournir en quantité un lait de haute valeur alimentaire, apportera un soin tout particulier dans le choix du taureau. Un bon taureau améliore rapidement le troupeau. Sa nombreuse descendance nous donne des sujets mieux conformés et qui rapportent davantage. Triste destinée. De l'incompétence, voilà la rançon. La composition du lait, aussi bien que la quantité, est conditionnée par les soins qu'on donne à l'animal. Vraiment, ce fermier est dans l'erreur s'il espère que ce bétail mal soigné, dans un enclos aussi mal entretenu, puisse lui rapporter quelques profits. Semblable négligence mène à la ruine. Guerre aux portes étroites, où les bêtes se causent des blessures et des contusions qui diminuent leur rendement. Ces mouches détestables sont bien énervantes pour la pauvre bête. De même, on peut dire que là où se trouve un mauvais chien, le bétail ne vaut jamais rien.
N'oublions pas que les vaches ont besoin de tranquillité. Dans les conditions de sécurité voulues, la vie au pâturage est la meilleure sauvegarde de la santé des bêtes. La nature fournit tous les éléments nécessaires à leur organisme. Ayons soin aussi de ménager au troupeau un abri contre les ardeurs du soleil. Quelques arbres assurent un ombrage suffisant. Pour fabriquer son lait de vie, la vache a besoin de matériaux de première qualité. Un riche pâturage est essentiel à la production du bon lait. La vache qui broute du trèfle blanc donne un meilleur rendement. Comme fourrage, rien de mieux que la luzerne et les trèfles coupés et engrangés dans de bonnes conditions. La luzerne, cette reine des légumineuses, est sans contredit l'aliment par excellence. Sa richesse en minéraux et en protéines est incomparable. La fenaison assure au bétail les fourrages nécessaires durant la période de stabulation. Il est entendu que les foins doivent être coupés et serrés à temps, c'est-à-dire de bonne heure si l'on veut qu'ils conservent toute leur qualité nutritive. Les herbages, dans ces conditions, apporteront aux bestiaux un aliment succulent et beaucoup plus nutritif. Le cultivateur a besoin d'abondantes moissons pour augmenter le rendement des laitières. Le battage rend les grains utilisables pour la fabrication des moulées laitières. L'alimentation hivernale serait ingrate, pâteuse, sans l'apport de succulents. Une récolte abondante de plantes racines aide à prévenir une chute rapide de la production laitière. L'absence de verdure durant la période de stabulation sera grandement compensée par de bons ensilages. Comme les racines, les ensilages maintiennent l'appétit de l'animal et tonifient son organisme. La production du lait n'en sera que meilleure. La vache, comme l'homme, a besoin de condiments. Le sel provoque la soif et stimule le système digestif. Il est aussi de nécessité élémentaire de pourvoir les bêtes d'une eau abondante et limpide. Les marais stagnants, les cours d'eau paresseux répugnent à l'animal. Il s'y abreuve forcément faute de mieux, mais de ces mares d'eau infectes se dégagent parfois des odeurs nauséabondes et les microbes qu'elles recèlent peuvent contaminer le lait. L'eau, élément essentiel à la vie, favorise le bon fonctionnement de l'organisme et partant, augmente le rendement des bestiaux. La vache ne doit donc pas être privée d'eau claire et saine. Pour fournir de l'eau potable aux bêtes, on installe tantôt une turbine aérienne, tantôt une pompe mécanique. Souhaitons l'avènement prochain de l'électrification des fermes qui fournira la force motrice capable de faire jaillir l'eau fraîche indispensable aux bestiaux. À défaut de mécanisation, les enfants remplissent les abreuvoirs en allant chercher les vaches. C'est l'heure de la traite. Les uns la font mal, les autres la font bien. Il est préférable de traire à l'intérieur. Le fermier averti préparera l'étable avant l'arrivée des bestiaux. Au moins une heure avant la traite, il fera le curage. La poussière soulevée au balayage devra être tombée au moment de la traite. Étriller la vache et la brosser préviendra la chute dans le lait des saletés qui adhèrent au corps de l'animal. Pourchassons les insectes. La traite se fera d'une façon plus paisible et l'animal, de retour au champ, sera moins ennuyé. Évidemment, un bon lait doit être exempt de toute matière étrangère.
Pour en arriver là, le pied et les flancs doivent être lavés et assurés avant la trèfle. La toilette du trailleur n'importe pas moins que celle de la vache. Il est impardonnable de ne pas se laver les mains avant chaque trèfle. Il y a des gens qui trouvent ces pratiques sanitaires exagérées. Sachons que la propreté est indispensable et obligatoire. La qualité du lait en dépend. La scène dégoûtante que nous allons voir relève de la plus intolérable et de la plus condamnable insouciance. Ce lait ne peut être destiné qu'à l'alimentation des animaux. Quel spectacle repoussant! Quelques seaux comme celui-ci suffisent pour gâter le lait de tout un arrondissement. Le cultivateur oserait-il offrir son produit chez un client avec de telles mains? Dieu merci, les bons cultivateurs sont plus propres et ils apportent à la manutention du lait tous les soins délicats que commandent les règles les plus élémentaires de l'hygiène. La trailleuse mécanique obvie à la pénurie de main-d'œuvre. La simplicité de sa construction et sa rapidité d'opération ne diminuent pas cependant les précautions hygiéniques. Le contrôle laitier est un guide nécessaire dans la sélection des bêtes, tout comme la comptabilité dans la conduite rationnelle de toute la ferme. En compilant ses pesées en fin d'année, le fermier connaît ses meilleures productrices. De même, il s'assure de leur productivité en matière grasse par l'analyse d'échantillons représentatifs de leur lait. Ne filtrons pas le lait dans des linges quelconques. Employons le couloir sanitaire. Aussitôt la traite terminée, le lait doit être refroidi promptement à 50 degrés Fahrenheit afin d'en prévenir le surissement et la coagulation par les bactéries. Divers procédés peuvent être utilisés à cette fin. Cet appareil est un refroidisseur de surface. Bien qu'il agisse rapidement et occasionne une économie de glace, les soins particuliers et compliqués qu'il requiert font qu'on le trouve rarement sur nos fermes. Rappelons qu'il est impossible de conserver le lait en bon état si on ne le refroidit pas rapidement après la traite. Le banc de neige ne produit pas les effets attendus. Au contraire, le lait s'y refroidit lentement par manque de contact. Les mauvaises saveurs s'y développent et l'échantillonnage à la fabrique sera inexact. Parmi les bâtiments de la ferme, une laiterie bien aménagée s'impose. Pour sortir le lait immédiatement de l'étable et l'éloigner des mauvaises odeurs, pour le refroidir rapidement, pour entretenir commodément et proprement les ustensiles, il faut un local approprié. La laiterie doit être à quelque distance de l'étable et son coût de construction proportionné au revenu du cultivateur. Pourvue d'eau courante et de l'outillage complet, elle rendra facile l'entretien des ustensiles de la traite et de l'écrémage. La conservation du lait dans un puits de ferme peut donner de bons résultats si l'eau y est saine et froide. Préconisons plutôt la conservation du lait par l'eau de glace. Dans les conditions ordinaires, c'est le moyen le plus économique dont dispose le cultivateur. À cette fin, on devrait trouver sur chaque ferme une provision suffisante de glace. Une tonne de glace occupe un espace de 40 pieds cubes et suffit pour conserver le lait d'une vache pendant 5 mois.
compte environ 4 livres de glace par gallon de lait. Lorsque les bidons sont remplis de lait, ils sont hermétiquement fermés et plongés dans l'eau pour être maintenus froids jusqu'à la livraison. Le laitier qui vend son lait à l'état nature utilise de préférence des appareils de réfrigération mécanique. Ce système, quoique plus coûteux, est fort pratique et efficace. Revenons à l'étable. La mangeoire doit être nettoyée avant chaque repas. On sert le repas seulement après la traite. Servi immédiatement avant la traite, les fourrages et les concentrés changeraient la saveur naturelle du lait. Les bidons à grande ouverture sont d'un entretien beaucoup plus facile. Évitons d'employer les chaudières galvanisées ou communes, comme les chaudières vides de graisse. Leur assemblage en agrafe les rend difficiles d'entretien et leur métal influence le goût du lait. Le seau recommandable est celui qui ne présente aucune soudure. Il est en fer étamé ou en acier inoxydable. La treilleuse mécanique mal entretenue contamine inévitablement le lait. La chaudière doit être brossée dans de l'eau additionnée de poudre à laver, rincée puis stérilisée. Toutes les parties de l'appareil sont démontées une fois par semaine pour subir un nettoyage complet. Le rinçage des tubes en caoutchouc terminé, on les suspend au râtelier. À boucher sous la cruche, les tubes se remplissent d'une solution de lessive qui achève le nettoyage. Suivante, après avoir vidé et décroché les tubes, on recommande de les rincer dans une solution de chlore. Les ustensiles sont, après les vaches et leurs trayeurs, une autre source importante de contamination du lait. L'usage de ces chaudières est intolérable. On voit que notre brave homme travaille avec insouciance. Ce qui compte pour lui, c'est d'en finir au plus tôt. Évitons l'usage du linge et du savon.
ils effectuent un nettoyage très imparfait des ustensiles et le lait recueilli dans ces contenants perdra rapidement sa qualité. Convaincu que les ustensiles mal lavés contaminent le lait, le cultivateur intelligent et progressif n'imitera sûrement pas celui que vous voyez. Ayons horreur du torchon. Il souille et contamine le lait. Un bon nettoyage des ustensiles suppose les quatre opérations suivantes. Le rinçage, le lavage, la stérilisation et le séchage. Le rinçage doit se faire immédiatement après la traite et à l'eau froide ou tiède. L'eau chaude, en effet, précipite le lait sur la paroi et produit ce qu'on appelle la pierre de lait. Cette pierre de lait adhère aux surfaces lisses, reste dans les fissures et diminue l'efficacité du nettoyage et de la stérilisation. C'est ici que l'on s'aperçoit qu'une laiterie bien équipée est commode. La poudre à laver, diluée dans l'eau chaude, assurera la disparition complète de toute trace de lait. De préférence au traditionnel torchon, employons la brosse. Brossons énergiquement les ustensiles dans de l'eau chaude contenant du soda à laver et le lavage sera parfait. Après le lavage, vient la stérilisation. Sur la ferme, la stérilisation peut se faire à l'eau bouillante ou à la solution de chlore. L'eau bouillante donne de bons résultats à condition que la quantité soit suffisante et qu'elle demeure en contact une ou deux minutes avec les ustensiles et que sa haute température soit maintenue. Méthode simple, rapide et peu coûteuse de stériliser les chaudières et les bidons consiste à les immerger une à deux minutes dans une solution de chlore. Cette eau de Javel s'emploie dans une proportion de 2 cuillerées à table par gallon d'eau froide. Un bon séchage doit suivre la stérilisation. Les ustensiles à parois humides favorisent le développement des bactéries. On les placera donc simplement à l'abri des mouches et des poussières, l'ouverture en bas sur une clé d'égouttement. De nos jours, l'écrémage du lait se pratique couramment sur les fermes et mérite une attention toute spéciale. La richesse de la crème et les pertes de gras dans le lait écrémé dépendent de plusieurs facteurs, de la richesse et de la température du lait, de la constance de la vitesse à donner normalement à l'écrémeuse, de son état et de la quantité d'eau de rinçage. En régularisant cette opération, on préviendra les variations de la teneur en matière grasse de la crème, les pertes dans le sous-produit. L'état des coussinets et des plats, ainsi que le niveau du bol, sont aussi à surveiller. Assurons-nous que l'écrémeuse est bien d'aplomb et solide. L'expérience démontre qu'un mauvais séparateur est une cause fréquente de la détérioration de la crème. Les parties venues en contact avec le lait doivent être démontés et lavés pièce par pièce après chaque écrémage. Sinon, les résidus gâteront la crème à l'écrémage suivant. Comme pour tous les autres ustensiles de laiterie, chaque partie doit être brossée dans de l'eau chaude contenant de la poudre à laver et stérilisée soit dans l'eau bouillante, soit dans une solution chlorée. Thank you.
Le cultivateur livrera son lait à la fabrique de bonne heure le matin, alors que la température est fraîche et que le lait se conserve mieux. À la fabrique, on pèse puis on échantillonne le lait de manière à répartir avec justice entre les producteurs l'argent qui reviendra d'un bon beurre et d'un bon fromage fait de bon lait. À l'établissement laitier, si on est soucieux de fournir du bon lait aux clients, outre l'épreuve par la réductase, on fera aussi l'analyse par la sédimentation. Un faible comptage bactérien et l'absence de corps étrangers établissent une preuve de propreté. Chemin de fer. Par camion, des milliers de gallons de lait sont dirigés quotidiennement vers nos grands centres urbains. Tous les citadins auront leur verre de lait. Comme le lait est l'aliment naturel le plus complet, il doit entrer dans l'alimentation des humains de tout âge. Riche en minéraux et en protéines, il stimule le développement et accroît la résistance physique. Si la diète lactée prolonge la vieillesse, il va de soi que l'enfance ne saurait s'en passer. Pour donner à nos enfants une ossature solide, une dentition saine et une énergie exubérante, pour leur permettre de vivre en santé jusqu'à un âge avancé, il leur faut du bon lait.